Là, ça enregistre? Oui. T'es sûr? Ouais. Ça clignote pas rouge. Ici, là. Ah. Non, mais relève-toi, je vais nous présenter. Coucou mes amours, c'est Roubaba. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bien, je vous présente Amy qui a ouvert sa chaîne. C'est une amie à moi de Lyon et du coup, on va tourner une vidéo ensemble dans son salon Carita où je viens tout le temps faire des soins. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et donc aujourd'hui, c'est pas moi qui va faire un soin. Enfin, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas moi qui va recevoir un soin, mais c'est plutôt moi qui va le faire. Je suis pas sûre de bien le faire. J'ai peur pour ma peau, vraiment. Franchement, t'as raison. Parce... En même temps, je vais avouer quelques faits que je n'avais jamais dit sur moi. On veut tous savoir des trucs. Il y a plein de choses intimes. Donc je vais tout vous dire et puis bah tu me donneras ton avis. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour, je sais pas du tout faire les soins, je sais pas comment ça va se passer. D'habitude d'en recevoir mais d'en faire jamais. Donc vis ma vie d'esthéticienne, j'ai toujours voulu faire des soins à quelqu'un. Bah Amy, tu seras la première. Ouais. Elle est super belle dans ses peignoirs. Grave. On met des gants. Je vais mettre des gants. Ah non, je crois que Gwendoline elle met pas de gants. Ouais, elle met des gants, je crois. Non, je crois elle pas. Met des gants. On dirait pas que je vais opérer chirurgicalement là. Allez, je vais te démaquiller, je sais pas comment je vais faire ça. Putain, mais je sais pas démaquiller, je suis pas du tout douce. Gwendoline, elle fait sans les cotons. Quoi? Et comme ça, genre. Tac, tac, tac. Ouais, mais moi, je suis pas Gwendoline. Putain, mais t'aurais pas dû te maquiller. Je te fais mal? Non, pas du tout. Ah, je t'en ai plein les cheveux. Là, je te fais mal, ça se voit, je la fais souffrir. Je te jure que non. Pas te démaquiller avec un gant, putain. Faut que je mouille le gant. Ouais. Peur de lui en mettre de partout. C'est horrible ce que je fais. On va commencer par un premier fait sur moi et bah tu vas me donner ton avis et tu vas me dire si toi c'était déjà arrivé. Moi je veux des gros potins. Hein. Bah des gros potins avec moi. Moi qui suis une grande fréquenteuse de boîtes de nuit, de malas, tout ça, bah j'ai déjà été virée de boîte de nuit pour mauvais comportement. Genre virée, le mec m'a porté, le videur il m'a sorti. Genre j'étais tellement bourrée que je m'en suis pas rendu compte. Il m'a porté, je me suis retrouvée devant la boîte. On a droit au nom des boîtes de nuit ou pas? Ouais. C'était où? C'était à l'époque, pour ceux qui sont de Lyon, bah maintenant ça existe plus, c'est le FNK, mais c'était le First. Et quand j'allais là-bas, je faisais tout. Ma belle, tu connais le First? Ouais. C'était vraiment la boîte du siècle avant. On aimait tous aller là-bas et c'était super bien. Et en gros, si tu veux, bah je fumais une clope dans le carré. Et le mec, il vient une fois et tout, il me dit éteins ta clope. Moi, je dis vas-y, ok, pas de soucis. Il revient une deuxième fois. Bah, moi, gamine comme je suis, j'avais rallumé une clope entre temps. Je dis oh, bah, je t'ai prévenu, arrête. Un coup, il arrive. Il t'a soulevé. Mais il m'a soulevé, genre, il m'a porté. Et j'étais dehors. Mais au bout de ma vie, parce que pour ceux qui savent, bah Laura et tout, Alexa quand elles vont regarder, elles savent ma passion pour le First. T'allais au First toi ou quoi? Bah moi j'ai commencé à sortir quand c'était déjà fermé. Putain mais t'as loupé. C'était genre vraiment je pouvais pas louper un samedi soir au First. Est-ce que tu te sens bien démaquillée là Amy? Franchement oui. Ensuite on va passer au produit suivant qui est je ne sais pas lequel. 2 hours later. Je sais pas ce que je fais, mais... Heureusement que j'ai YouTube, hein. Je pourrais pas être... Bah quand même, t'as failli être avocate. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, pour y arriver, j'ai mis tous les moyens possibles et inimaginables en place. Parce que, je sais pas toi, mais c'est un fait supplémentaire sur moi. Bah, j'ai déjà triché à l'école et plus particulièrement au bac. Et j'ai triché à mes partiels de droit aussi. Ah bah... Ça t'est déjà arrivé de tricher? Bah franchement, moi, je suis tellement une tapette, j'ai tellement peur de tout. Non mais tu vas pas me dire qu'au bac de maths, t'as pas triché. Bah franchement, moi, je les connaissais. Ah non, moi c'était tout écrit dans ma calculette. Sérieux? Ah ouais. Enfin, tout. Dans la limite du possible, évidemment, parce que tu peux pas tout écrire. Mais en fait, j'ai triché, mais je comprenais pas, en fait, ce que j'avais écrit comme triche, tu vois. Non mais genre... Mais t'as réussi par exemple, c'était pas... Ouais j'ai eu 13. Bah franchement bien. Et au partiel je trichais genre... ils vérifient quelques codes civils. Oui oui oui. Et je me suis dit putain j'espère que j'ai de la chance et tout, en mode ils vont pas vérifier le mien. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai noté, enfin j'ai annoté des petits trucs. Et pourquoi t'as pas voulu continuer? Le droit? Ouais, ça t'a saoulé. Non j'aimais trop la mala. Je jure ça a été un choix difficile mais j'ai préféré les soirées. Mais tu sais que c'est pas une blague en plus, genre j'ai choisi ma vie la mala. De meuf qui sort plutôt que d'aller à l'école. Non mais parce franchement que... t'as choisi ta best life. T'imagines tous les matins
faut être là-bas à 7h du matin, t'attends machin. C'est pas possible. Bah, d'ailleurs, un fait supplémentaire sur moi, j'ai remballé, je sais pas si on peut dire remballé, mais j'ai mis à l'amende un petit peu. Un rappeur je sais pas si c'est un rappeur en vrai, on peut pas dire son nom parce qu'on garde la vie privée. Je balance pas. Privée. Mais une personne qui est pas mal connue, en fait, ouais, il m'a un peu énervé ce qu'il m'a dit, du coup, bah, je l'ai remballé. Hein. Plutôt pas mal. J'ai bien ri ce soir là. Lui, moins, hein, franchement, parce qu'il m'a bloqué après sur tous les réseaux. Je vais changer de snap. Il a été vexé. Les meufs ne lui résistent pas et moi, en tant que bombe atomique, je lui ai grave résisté. Là, je pense pas que tu regrettes. Non. Je crois qu'on passe. Ah, le gommage, ah, c'est trop préféré bien. En moi plus. Aussi, c'est bon. C'est liquide, faut que tu le secoues. Quoi? ASMR time là, vraiment. Oh, c'est froid. Alors là, comme ça, on dirait de la merde de pigeon, franchement. J'en ai mis sur ton peignoir. Putain, merde. Putain, je sais pas faire un gommage. En parlant d'ailleurs de rappeur et tout, je sais pas si tu savais, mais c'est un fait supplémentaire sur moi. J'ai tourné en 2 clips. Donc, un clip de rap français, un peu, enfin, rap. Ouais, on peut appeler ça du rap. Et j'ai aussi tourné dans le clip d'un rappeur connu. Enfin, d'un rappeur. C'est pas un rappeur. C'est un chanteur connu au States. Il dit c'est Tory Lanez. On a tourné dans son clip avec Laura. On a d'ailleurs été exploités parce qu'on a refait les scènes 10 fois. Et on a été coupés. Genre, il y a que nos mains. Je vous laisse apprécier ce passage. Du coup, j'ai eu l'impression en vrai que j'avais des super belles mains. Mais... vu qu'il y a ma main au moins. Mais tout le reste n'était pas beau, mais que ma main. Non, mais en plus, j'en ai été exploité. Genre, tourné pendant des heures. Oh. Des heures et des heures. Je pensais que j'allais être dans le clip, j'étais contente. Mais ouais. Pas du tout. Faut que je mette du sérum. Mais lui, il décape la peau. Hein. Déjà, si j'arrive pas à l'ouvrir. Open. One eternity later. Ah, je t'en mets sur le visage, après je pars avec la machine. La machine, après, je sais plus comment tu vas réussir à la brancher. Je crois que je sais pas le faire. Bah, vu que j'utilise des ustensiles bizarres, je t'avoue un truc, je sais pas si tu savais, mais j'ai travaillé parce que j'ai fait beaucoup de métiers avant d'être sur YouTube et j'ai notamment fait un métier qui est quand même archi improbable. J'ai travaillé en tant que voyante, voilà. Du coup, j'ai travaillé dans un cabinet de voyance, genre pendant quasi 2 ans, quoi. Et les voyantes, c'est du mytho ou pas? Bah... en fait, si tu veux, là où je travaillais, je faisais pas vraiment de la voyance. C'était plus social. Ouais, un peu en gros, psychologue. C'est ça. C'était des gens qui étaient vachement seuls et qui avaient besoin de parler. Et bah, en fait, si vous voulez, je les aidais à exprimer leur peine de cœur. Et vu que je suis une personne quand même qui est assez sensible, qui a un cœur et tout, comme quand je vous fais les Dr Love, bah, j'aimais beaucoup les aider pour leurs problèmes sentimentaux. S'il y en a qui passent par là, qui me voient, c'était moi Caroline à l'époque. Mais je continue à être un petit peu Caroline dans mes Dr Love, en vrai. J'aimais pas parce qu'au final, on leur disait que j'étais voyante et je n'était pas vraiment, mais j'aimais bien les aider. J'ai même réussi à... et une meuf, elle a retrouvé son mec grâce à moi. Et ils se sont mariés. Sérieux? Je te jure. Tant de satisfaisant, en fait, de savoir que t'as aidé un couple à se remettre ensemble et qu'aujourd'hui, bah, ils sont mariés. Je sais pas ce qu'elle devient, elle s'appelait Laure en plus. Ça m'a saoulé de te désincruster. C'est 7 minutes de désincrustation, c'est long. Bon, je crois que je vais un peu lui refoutre du démaquillant. Encore des potins. Des potins, ok, potins, allez, je t'en dis un. Bah, je pense que ça, tout le monde l'a déjà fait, mais j'ai déjà fait un resto basket. Pas toi? Joby, Joba, et on se casse. Mais moi, je tombe par terre, le mec, il m'attrape par les pieds. Et t'es là, tu dois payer le trip. Mais tu peux pas. Ah, mais moi, mais j'aime pas, ça me fait peur. En vrai, je l'ai fait, mais je regrette. Je trouve que ça se fait pas, c'est du manque de respect et tout. Mais t'imagines? Genre jeune et insouciante, et je me dis, bah, genre les gens c'est leur travail, et je me suis barrée comme ça, tu vois. Mais t'imagines, tu tombes, le mec il fonce. Tu te fais arrêter, tu pars à la police et tout. Il te fracasse le mec, c'est ça le pire encore, la police, j'ai envie de te dire ça va. Limite, je crains moins la police que ma mère, tu vois. Mais ouais. Genre, bah d'ailleurs, il m'est arrivé ça une fois, genre j'étais chez Claire's quand j'étais gamine. On l'a tous fait ça. Et j'ai volé un petit truc. Désolée Claire. Mais quand j'étais petite, j'avais volé un truc chez Claire. Et en gros, bah je me suis fait pétard. Évidemment. Et ça m'a dit tu préfères qu'on appelle la police ou ta mère? J'ai dit la police. Appelez la police, pas ma mère. Et du coup la meuf elle me dit, t'es pas très maligne parce que si on appelle la police va forcément appeler ta mère vu que t'es mineure. Mais ils peuvent te protéger, genre, ouais. Je me disais, la mère elle va m'éclater. Ah, ce jour là quand elle est arrivée, tu t'es à Claire's. Tu sais, mais en plus elle était choquée parce que j'étais pas dans le besoin, tu vois. Oui, c'était juste histoire. Genre, le truc à faire. Oui. C'est le truc à faire. Elle m'a regardé. Mais elle avait honte. Mais elle m'a terminée quand on est rentré chez moi. Mais je regrette. Maman, je suis désolée. Claire, je suis désolée. Bon, alors, je vais te dire un autre truc. De où? Bon, alors, c'est pas à reproduire parce que c'est inconscient. L'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé en plus. Mais j'ai déjà conduit en étant ivre-mort.
Bah fais pas. Je suis sûre que tu l'as déjà fait. C'est pas bien, franchement. Et genre, ce jour-là, je me sentais trop puissante au volant. Tu vois, genre, quand t'es bourrée, t'as l'impression que t'es encore plus puissante au volant. Le monde est à toi, le monde est à nous, Scarface quoi. T'as attrapé ? Non, j'ai jamais recommencé. J'ai eu tellement peur parce que je me suis demandé le lendemain comment j'étais rentrée. Ne faites jamais ça. Ne reproduisez jamais ça. Il y avait quoi comme musique ? Selon la musique qu'il y avait dans ta voiture, t'es pas la même. Bah, genre, si y a du rap et faire, je devais me sentir puissante, tu vois. Genre, je croyais que j'étais dans un clip. Bon. Je crois que je vais t'avouer un dernier truc. Dis-moi. Mais ça, c'est un fait pas intime. C'est un fait qui prouve que je suis une personne bizarre. J'avais déjà dit que j'ai des tocs, je suis obligée de vérifier le gaz, la porte et tout avant que je dorme. Je sais pas si tu savais, dans ma première vidéo, j'avais dit ça. Ouais. Et du coup, en fait, mes tocs putain de amplifiés. Et du coup, aujourd'hui, genre carrément, des fois, je me lève la nuit. Genre, je suis posée, c'est Laura, et je me dis putain, j'ai pas fermé ma. Et je suis obligée de retourner chez moi. Oh, au milieu de la nuit. Ah, mais je suis une psychopathe. Ah, ouais. Psychopathe. Non, mais t'as la foi. Genre une psychopathe, genre je sais pas à quoi c'est lié. Du coup c'est ma phobie, enfin c'est mes tocs. Vraiment c'est mes plus grands tocs et mes plus grandes phobies. En fait j'ai grave peur de la mort. Sérieux? Ah ouais. Mais tu sais que c'est le truc genre, qui me fait vraiment ma peur. Ma hantise la mort. Du coup je crois que c'est pour ça que je vérifie. Et je pense que là j'ai avoué pas mal de trucs sur moi hein. Je pense qu'on fera une vidéo sur la chaîne d'Emmy où on avouera enfin des trucs sur elle. Parce qu'en vrai pourquoi y'a que moi qui m'affiche. On fera les deux. Sincèrement je vais boire un petit coup parce que de parler autant ça m'a. Du coup, ce soin et ses faits sur moi sont terminés. Amy, qu'est-ce que t'as pensé de mon soin? Bah franchement, toi, moi je trouve que... Je crois que je vais ouvrir mon institut. Bah franchement... Est-ce que vous viendrez? Cette vidéo, elle est maintenant vraiment terminée. Coucou. Bah non, on dit au revoir. Coucou. Qui fait faire ce soin et vous avouer des trucs que je ne vous avais jamais dit. Donc j'espère que ça vous a intéressé. By the way, Amy, elle a ouvert sa chaîne où elle va faire... un peu de make-up, enfin la sananas quoi. Des make-up, des trucs, des conseils... discuter de beauté, de mode, de choses comme ça et un peu rigoler quoi. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à la suivre. Savez, si vous avez kiffé cette vidéo, me laissez un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas kiffé, me laissez un pouce rouge. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y aura encore une fois la chaîne. Et à la mienne aussi. Oui, voilà, ce sera en bas. N'hésitez pas à aller checker. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Instagram. Ouais, sur nos Instagram. Il y aura également mon Twitter et mon Snapchat en barre d'infos. Et puis bah. Bisous, on vous aime. Ya.